Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous parler d'un ouvrage terminé et il s'agit du top Tamias de Folie Ordinaire. Alors il faut savoir que cette année j'ai la chance d'être ambassadrice pour Folie Ordinaire, donc j'ai accès à tous ces patrons de manière gratuite. Je suis libre de tricoter ce que je veux, comme je veux, je pouvais tricoter qu'un modèle, plusieurs modèles, ben voilà, je suis vraiment libre, sans obligation de venir vous en reparler derrière, j'ai pas, voilà, vraiment beaucoup de liberté de la part de Mylène, et donc j'en ai profité cette année déjà pour tricoter, j'ai tricoté le Midas, et là je viens tricoter le Tamias, en duo avec Lucie de la chaîne 3615 Conquat, qui est également ambassadrice pour Folie Ordinaire, et donc on s'est fait un petit duo de Tamias. Je tenais encore à remercier Mylène pour sa confiance et pour m'avoir choisie en tant qu'ambassadrice. Alors le top Tamia, c'est un débardeur qu'elle avait sorti l'an dernier en collaboration avec The Yarn Lover, leur fil, je sais plus, et coton égyptien, quelque chose comme ça il me semble, de mémoire. C'est un fil qui est assez épais, c'est la worsted, et donc j'ai trouvé que c'était pas forcément... moi j'ai eu un peu de mal à trouver un équivalent, je voulais pas forcément utiliser ce fil là, je voulais utiliser un fil que je pouvais trouver dans ma petite mercerie habituelle, et j'ai eu du mal à trouver à quelque chose d'assez... qui se rapprochait au niveau de l'échantillon. Il y avait un fil possible chez Rowan, mais dont les couleurs me plaisaient pas trop pour l'été. Donc je me suis rabattue, sur la Norma de Langyarn. Alors moi j'ai pas eu un bon échantillon pour faire mon top, je vous reparlerai tout ça pour la taille choisie, ça a été un peu compliqué, mais au final je suis vraiment contente du résultat final, et voici donc mon Tamias de Folie Ordinaire. Ouh, il y a trop de lumière, vous voyez le... Ouais, vous la voyez, la couleur beaucoup trop claire. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc voilà le Tamias. C'est un débardeur qui se tricote du haut vers le bas, qui a une encolure en V sur le devant. Et moi, vous pouvez voir, j'ai fait un dos droit à l'arrière, mais on peut faire le devant. On peut faire le dos comme le devant, c'est-à-dire en version en V aussi pour l'arrière, en faisant des triangles comme pour le devant. Mais moi, je voulais bien différencier mon dos du devant pour... voilà, pour savoir toujours dans quel sens je le mets, et puis ça me faisait faire quelque chose d'un peu différent, donc j'étais contente. Et le Tamias se caractérise par ses grands chevrons qu'on tricote tout du long du corps du débardeur. Vous voyez, hop, on a des grands chevrons, donc là on en a deux, on a ceux sur le devant, et ça se poursuit, hop, également sur l'arrière. Donc en fait le dos, vous voyez, si j'avais pas fait en fait en version... si j'avais pas fait le dos droit, bah si je me trompe pas, je crois que hop, cette partie-là, elle y serait pas. En fait, le triangle au centre ne serait pas présent. Alors vous avez pas de mal à imaginer, hein, de toute façon, hein, la même chose derrière. Et vous, si vous allez voir la version de Lucie, c'est ce qu'elle a fait. Elle en a fait deux des top Tamias, et elle a fait à chaque fois le dos en V comme le devant. Donc on vient tricoter. Hop, on commence par faire les bretelles. Alors moi je me suis trompée aux bretelles, c'est censé être du jersey en 3, et moi j'ai fait des côtes 1-1. Allez savoir pourquoi j'ai fait cette erreur là. Ah oui, parce qu'elle marquait que c'était un rang en droit, un rang en vert pour du jersey en droit. Moi j'ai vu en droit, en vert, j'ai fait une côte, j'ai fait une maille en droit, une maille en vert. Alors je m'en suis rendu compte arrivé à la deuxième bretelle, donc il était déjà trop tard, parce qu'on vient commencer par faire la bretelle. On tricote tout le premier triangle du devant, ça se tricote super vite. On a un diagramme pour chaque morceau du t-shirt, on a un diagramme. Donc on a un diagramme pour le triangle là. On suit exactement le même pour celui-là parce que c'est vraiment symétrique, c'est la même chose. Donc on vient faire la bretelle, on vient faire son deuxième triangle. Bah voilà, jusqu'à ce que la hauteur demandée. Alors il faut avoir le bon échantillon en hauteur, puisqu'on suit un certain nombre de rangs et on s'arrête. Donc une fois qu'on a fait ces deux triangles, on vient les... je sais même plus. Une fois qu'on a fait donc les deux triangles, on vient reprendre, hop, ces bretelles à ce niveau-là. Et on monte les mailles pour le dos. Alors... tout dépend, moi c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai fait le dos droit. J'ai monté des mailles et je suis revenue ici. Et ensuite on a à nouveau un diagramme
ou alors les explications écrites rang par rang. Mylène vraiment détaille super bien ses patrons. Alors au premier abord, il y a énormément de pages parce il y a beaucoup de tailles, ils sont très inclusifs. Donc il y a une première gamme de tailles, il y a une deuxième gamme de tailles, et à chaque fois il y a les diagrammes et les explications rang par rang pour chaque taille, donc c'est vrai que c'est assez conséquent, mais quand on choisit que sa taille, ça fait finalement pas tant de pages que ça. Et donc moi j'ai suivi le diagramme pour ma taille pour faire tout ce dos-là, donc vraiment on a un diagramme qui va de là jusque là. Voilà, vraiment tout le haut du dos, il y a un diagramme avec les explications, les augmentations, vous voyez le chevron qui se rejoint au centre et tout, et c'est super bien expliqué. Et arrivé ici, on rejoint le tout en rond, donc les deux demi-devant, le dos, et on vient tricoter tout le corps. Et donc là, on se retrouve avec un plus petit diagramme ou les explications rang par rang. Et à partir de ce niveau-là, franchement, une fois qu'on a tout rejoint en rond, on a super bien compris le rythme des chevrons, des mailles. C'est un jeu de mailles en droit et une maille en vert. Et le reste du t-shirt se tricote super bien parce que c'est tout droit, donc c'est toujours la... Alors c'est toujours la même chose, non, puisque le motif... on crée le motif, mais... Franchement, ça devient fluide, logique, et ça se tricote vraiment très très bien. C'est vrai qu'au premier abord, moi j'avais peur parce que je me dis il y a un peu de texture tout le long du t-shirt, ça va demander la réflexion, mais en fait non, c'était vraiment super bien. Alors moi je m'étais mis des anneaux marqueurs entre les côtés, au milieu de mon chevron, qui est en fait dans la continuité de la bretelle, j'avais un anneau marqueur là. En fait, à chaque pointe de chevron, j'en avais un à ce niveau-là, un à ce niveau-ci, là également, et puis elle est pareille de l'autre côté. Un sur le côté, et puis trois sur le devant, là, là et là. Et comme ça, ça me permettait de savoir, ça me signalait en fait à chaque fois les changements de direction des chevrons, et avec les marqueurs, franchement, ça s'est super bien passé. J'avais plus besoin du diagramme, j'arrivais à... Il y a une logique en fait qui se fait assez bien et franchement très agréable à tricoter, c'est ce qui m'a vraiment surpris. Je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué ou un peu prise de tête et en fait non, ça se tricote vraiment très bien. Et ensuite on vient tricoter une certaine longueur. Alors Mylène préconise que 30 cm sous les emmanchures, je trouvais que c'était pas beaucoup mais finalement il me semble que c'est ce que j'ai. Non, j'ai un peu plus, j'ai 32 cm sous les emmanchures. Je me suis arrêtée de manière... Alors ah oui, parce qu'il a fallu que je choisisse... J'ai choisi de m'arrêter... Je sais plus. Ça doit être mon chevron central qui est juste bien arrêté et puis j'ai rabattu. Voilà, j'avais choisi d'arrêter sur la fin d'un motif au chevron central. Ouais, c'est ça. Et j'ai rabattu comme préconisé dans le patron. Et vous voyez, ça ne reloute pas du tout. Franchement, c'est un rabat tout simple. Hein. Et ça tient bien, ça bouge pas. Donc non, j'ai 32 cm sous emmanchure. Donc oui, non, vraiment, mon t-shirt, il n'a pas bougé au lavage. Alors, finalement, il ne fallait pas... Je trouve qu'il y a quand même, par contre, beaucoup de hauteur d'emmanchure. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, il tombe assez bas au niveau de l'emmanchure. C'est pour ça que il n'y avait pas besoin de faire trop trop long sur le bas du corps. Donc vraiment ça a été un très chouette modèle, c'est vraiment bien et vraiment pas compliqué, assez simple et puis qui se tricote vraiment très bien. Donc voilà, ça c'était pour le patron. Au niveau donc du fil, moi j'utilisais de la Norma de chez Langyarn, ce très joli rose là, qui est très brillant, très très doux, qui se dédouble pas au tricot, j'ai pas eu de souci de dédoublement. Hop, alors il s'agit de 55% de coton, 35% de modal et 10% de viscose. Alors c'est un fil plutôt DK, c'est 135 mètres pour 50 grammes. Et comme je vous ai dit avant, normalement il fallait de la worsted pour faire ce t-shirt. Alors au niveau de la taille, donc moi j'ai choisi de suivre la taille 117, ce qui donnait un tour de... un fini de 123 cm et au final je viens de le mesurer et j'ai à peu près 116 cm de tour de fini, donc finalement j'aurais pu faire une à deux tailles en dessous de ce que j'avais pour quelque chose d'un peu plus serré, j'aurais pu faire une taille facilement en dessous. C'est vrai que je ne savais pas, mon échantillon n'était pas très bon, je savais pas du tout si le fil il allait bouger ou non au lavage. Finalement j'ai un peu plus que ce que je m'imaginais en termes de largeur. Et pourtant, je pense pas qu'il ait bougé au lavage. J'ai pas eu l'impression du tout qu'il se soit élargi. Il s'est pas allongé non plus. Quand je l'ai lavé, je l'ai posé à plat tel qu'il était
pour parce que j'ai pas réussi à l'épingler, mes épingles ne passaient pas à travers l'épaisseur du fil, donc j'ai pas pu du tout l'épingler, je l'ai laissé tel quel. Mais voilà. Donc ouais, moi j'ai suivi la taille 117 qui donnait donc 123 pour le t-shirt fini, et au final j'ai 115, 116 de tour de poitrine. Donc j'ai à peu près 10 cm d'aisance positive sur le t-shirt, et donc ça va, c'est correct, mais j'aurais pu faire une taille en dessous. Donc finalement je m'en suis quand même assez bien sortie pour avec mon choix de taille par rapport à ce fil utilisé, parce que voilà, il était clairement pas adapté, j'arrivais pas du tout à obtenir le bon échantillon. J'ai tricoté mon top avec des aiguilles 4,5, et je trouve que par contre le tissu il rend super bien en 4,5. J'aurais pas voulu avoir une taille d'aiguille au-dessus en 5, ça aurait pas été top, je pense. Là en 4,5, franchement, ça rendait bien, donc j'ai poursuivi comme ça en 4,5. Et voilà donc pour le fil. Alors le fil est vraiment très agréable, très très doux. J'aime beaucoup. Franchement, il est très chouette. C'était une chouette découverte. Je connaissais pas du tout. Je l'avais choisi surtout pour sa couleur que j'aimais énormément. Et donc voilà. J'avais acheté 5 pelotes et il m'a fallu à peu près 5, 4 pelotes et demie pour faire mon top. Donc aussi au niveau de la laine, j'étais juste bien. Parce que je ne savais pas quelle quantité utiliser, puisque quand j'ai acheté ma laine, je savais en l'achetant que j'allais pas avoir le bon échantillon, mais je ne savais pas trop sur quelle quantité prendre. J'avais pris un peu. Voilà, je m'étais dit 5 pelotes, je suis sûre, je suis large. Finalement, j'étais juste bien, il m'en avait fallu quasiment 4 et demi. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voilà le rendu porté de mon t-shirt. Donc je savais déjà, quand j'avais fait un premier triangle, je l'ai trouvé un peu large, mon triangle, vous voyez, il vient faire tout ça. Et c'est vrai que dès le début, j'ai eu un peu peur pour la taille, mais au final, vous voyez, je trouve que franchement, ça tombe bien. Donc là, j'ai une encolure quand même assez bien dégagée, hein, qui descend assez bas, mais voilà, qui me convient pour l'été. Je trouve que voilà, c'est juste bien. Il n'aurait pas fallu plus, j'aurais fait une taille au-dessus, clairement ça aurait été trop grand. Là vraiment on est juste à la bonne limite, mais sur ça aussi je pense qu'offrant une taille inférieure, ça aurait pas été ça aurait été très bien également. À refaire, je pourrais reprendre le même fil, franchement j'ai bien aimé ce fil-là, mais je ferais au moins une taille en dessous. Donc voilà le devant avec l'encolure en V. Hop, la longueur. Mon nombril, il est là. Donc vous voyez, j'ai quand même tout ça sous le nombril. Donc franchement, il a une bonne longueur. Il n'est pas cropped du tout. Il a un beau tombé. Et le dos, voilà ce que ça donne avec son dos droit. Je trouve qu'au niveau, vous voyez, il cache bien les bretelles. Alors moi, j'aime quand même quand mes bretelles de soutien-gorge sont assez. Pas totalement caché, hein. Je vais pas non plus être toujours là à bien le mettre, mais voilà, ça quand même, ça se tombe bien, ça les cache bien, donc je suis contente. Donc voilà pour mon débardeur Tamiya Sporty. Et avec ses chevrons, je trouve que c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce petit motif là, j'aime bien. Alors au niveau, donc c'est un fil qui est assez épais, hein, mais au final, comme j'ai vraiment du mou. J'ai vraiment de l'aisance positive, il me colle pas, l'air passe au travers et tout, et donc j'ai pas trop chaud. Franchement, là aujourd'hui il fait 24 degrés et je suis bien avec. Voilà, il est pas trop chaud, il est comme c'est assez fluide et tout, je trouve que non, il se porte vraiment très très bien. Voilà donc pour mon top Tamias. Donc je suis vraiment contente du rendu. J'ai eu voilà tout le long un peu peur pour la taille qui soit trop grand. Finalement il est juste bien. Mon seul conseil c'est que j'ai envie de vous dire, si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus petite. Alors après il faut faire très attention au tableau des mesures, parce que comme je vous disais, la taille, moi j'ai fait la taille 117, ce qui est marqué comme 117 cm, mais en fait c'est vraiment en fait 117 cm de tour de poitrine. Il y a dans la colonne d'à côté, vous verrez la taille du t-shirt vraiment terminé. Donc voilà, à vous de faire attention au niveau du choix de la taille. Mais sinon voilà, comme toujours avec Mylène, un patron vraiment très bien expliqué, très fourni. Il faut bien choisir sa taille pour éviter d'avoir des informations superflues. Donc le patron est disponible au prix de 9 euros sur Ravelry ou sur son site personnel.
Concernant le fil, donc moi je l'ai acheté dans ma petite mercerie locale, une tasse de fil et d'aiguille. La pelote a été à 7,35€. Était à 7,35€. J'en ai acheté donc 5 et ça m'est revenu à peu près à 37€. Donc avec le prix du bâton, ça revient à 42€ au total. Donc voilà, je vous ai fait le tour. C'est vraiment un t-shirt agréable à tricoter. Bon, avec lequel on ne s'ennuie pas, qui est pas prise de tête, mais qui est pas ennuyeux, qui était très chouette à tricoter, qui se fait assez rapidement finalement, j'étais assez étonnée. C'est vrai que ça se tricote bien, ça se tricote assez vite en 4,5. Je vous invite à aller voir les versions de Lucie qui n'a pas fait du tout dans les mêmes couleurs que moi, qui n'a pas utilisé les mêmes fils que moi. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle a fait. Et puis vous verrez aussi sur Ravelry plein d'autres versions, parce qu'il a été déjà tricoté quand même plusieurs fois. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye !